Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle session Ranked Grand Champion. On rush les 2000 abonnés, alors je compte sur vous pour bombarder. Je remercie tous ceux qui le sont déjà et qui le feront. Ça m'encourage et me soutient énormément. Et sur ce, bon visionnage. Ok. Bon, comme vous pouvez voir un petit peu en termes de MMR, on n'est pas très haut parce qu'on est sur le deuxième compte. Pour faire des games comme ça, c'est beaucoup plus sympa, que ce soit pour moi ou pour vous. Même si en termes de qualité de game, ok, c'est pas des dingueries. Si vous voulez voir des vrais games... Je vous en ferai si vous voulez, parce que sur mon main, là je suis GC2 1600 à peu près. Donc c'est vraiment... On est à genre à... Là on a 200 de MMR au-dessus. C'est complètement différent. Mais pour parler en même temps, essayer de discuter, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Je vais quand même vous proposer du gameplay. Hein. On va quand même essayer de monter ce compte un maximum. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai pas 500 ans, mais je suis un petit peu enrhumé. J'espère que c'est pas trop dérangeant. C'est l'hiver, c'est comme ça. Quand ça fait froid... Ok. Du coup, il s'est passé un truc récemment là. J'ai repris un petit peu le dribbling challenge. Avant, je faisais beaucoup de speedrun par rapport à ça. Et du coup, j'ai repris un peu les entraînements, tout ça. Et lors d'une session d'entraînement, on va dire, parce que bon, ça faisait 3 jours que j'avais repris, et j'ai réussi à PB, personal best, et j'ai refait un record tout simplement. Qui est de 9... Poulon. De 6,28. Pas du tout 9, hein. Pas du tout, genre. Et j'étais à 6,43 et là, j'ai été enregistré à 6,28 par speedrun.com. Ok, dommage. C'était bien tenté. Et donc, je suis actuellement top 8. J'étais top 9, je suis top 8, mais j'ai quand même gagné 15 secondes. Ce qui est quand même énorme pour des temps comme ça... top mondial, etc. Ouais, il y a peut-être un truc, non? Oh, c'est dommage. Là-dessus, j'aimerais aller chercher le boost, mais je vous avoue que ça va être compliqué, puisqu'ici, hop. Voilà. Exactement pour ça. On n'avait pas besoin d'aller chercher le boost, fallait soutenir. Si j'étais premier, il y avait but. Ok. J'ai voulu jouer le contre, ici. Je vais cut, hein. Pas de soucis. Pas de soucis, mon ref. Pour une simple et bonne raison que là, j'étais au centre du terrain et j'aurais pu mettre... Moi je mettais la balle sur le côté alors que si mon allié la prenait, il mettait la balle plutôt vers le centre. Et s'il mettait la balle vers le centre, et bah c'était potentiellement open. Dégage sur les côtés, c'est toujours évident. Ouais, je joue le contre. Bon, je vais pas tout commenter hein, mais si ça intéresse des gens que je caste, enfin que j'explique un peu pourquoi je joue. Oh, il part my level. Il est trop mignon. Tellement rare ça. Ah, dommage. Ok. Du coup, j'ai trop envie de lui proposer une bonne game quand même. Il m'a trop motivé là. Oh non. Ok, j'ai le boost, ça va. Et du coup voilà, top 8, toujours top 4 FR, ça a pas bougé, c'était pas un FR le 8ème. Hop là. Faut que je lui réponde quand même, il est sympa. C'est très rare maintenant sur Rocket. Même j'ai retiré le chat hein, sur mon main. Ça me détruisait, genre les nombres de gens malsains, toxiques, tout ce que vous voulez. Du coup, j'avais retiré le chat, ça me déconcentrait trop dans la game en fait. Hop. Mais il y était, et comme par hasard, le mec est sympa, donc... Après, il a aucune raison de pas y être, tu vois, genre... Et je joue bien, on joue calmement, tout se passe bien. Tant mieux, tu vois, c'est simple. Là, c'est une bonne ambiance, tu vois. C'est très rare hein, sur Rocket. Tous ceux qui expérimentent un petit peu la ranked solo queue le savent. C'est un enfer ce jeu. La solo queue c'est un enfer. Ok. Ah merde, je lui donne. Ok, la démo elle est pas mal, elle nous fait gagner du temps en vrai. Là je vais faire une feinte pour que le mec derrière se rapproche pas. Ouais, il va y aller. Mais normalement, elle est ok, ouais. Ok, ça va. C'est open. Nice.
En fait, je leur mets beaucoup la pression sur les murs et tout, etc. sur mes aériennes. Et du coup, en fait, ils sont obligés un peu de se jeter et ils font un peu n'importe quoi. Et là, en fait, là, maintenant, ils ont peur de moi. Et du coup, le fait que je vais jouer un peu plus safe, ça va les perturber. Et ils vont donner des free balles à mon allié et tout ça. Enfin, free ball, c'est vraiment s'ils font de la merde, hein, mais... C'est une bonne réaction qu'ils font de bien se méfier, mais... Ok. J'ai eu un peu de chance qu'ils me tirent dessus. Ok, nice. Bon, bah ça se passe plutôt bien pour la première game. Et donc, pour venir au dribbling challenge, parce que bon, c'est vrai que... Ok, je suis trop concentré dans la game, vous voyez, c'est directement, je ne parle plus énormément, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a énormément changé dans ma façon de jouer. Parce qu'en fait, quand tu fais du speedrun comme ça, tu joues pas de la même façon. Enfin, tu joues pas, c'est plus pareil du tout, tout est différent. Parce que tu fais une erreur, tu dois tout recommencer, tu vois. Et du coup, tu vas chercher à être le plus précis possible, le plus fluide possible. Pour gagner du temps et rater le moins possible. Et donc, en fait, ça se ressent énormément dans mon gameplay. Et c'était mon gameplay, justement. Et quand je dis mon gameplay, c'est mon gameplay. Parce que j'avais développé beaucoup de air dribble, de mes aériennes et tout. Mais la seule différence, c'est que j'arrivais plus à monter autant qu'avant. Et maintenant que j'ai repris un peu le dribbling, je sens que in-game, tu vois... Là 6-0, je fais rien d'exceptionnel, c'est propre, c'est clean, c'est précis, c'est mon jeu, tu vois. Je sens que je suis pas là à tenter des dingueries, des trucs que je sais pas faire. Même si je savais faire tout ce qui est aérien, je sais le faire, mais genre c'est trop peu précis encore. Et le fait d'être vraiment précis sur Rocket League, ça aide tellement, c'est une folie, hein. Le fait de pas tout rater tout le temps, de calculer à peu près tous ses coups. Ah, par contre, la démo, elle est terrible. Bon, est-ce que j'aurais pu faire mieux? En fait, le truc, c'est que là, c'était assez compliqué. Je voulais envoyer sur la gauche, tu vois, mais si je tapais direct, il avait le temps de la récupérer. C'est assez compliqué. Wesh. Le pseudo. Ah ouais, c'est vrai que le pseudo, il a pas l'air vraiment nice. On peut en parler, hein. Open. Nice. Non mais c'est très grave le pseudo en vrai. Il y a RMD. Hein. Non mais en fait les gens ils sont fous. Hein. Ils sont complètement malades. Et du coup c'est pour ça que dans mon gameplay, dans mon jeu en général, là je me retrouve un peu, tu vois. Et je sais pas si ça se voit dans mon gameplay là, c'est... Beaucoup plus calme et précis, tu vois. Oh merde. T'y vas ou pas, hein? Ouais. Je voulais qu'il la cut et qu'il me rende. Ah. Ok. J'ai voulu pre-shoot parce que le reset, j'y crois pas trop, hein, je t'avoue. Les gens souvent ils font un peu n'importe quoi. Ah ouais, ils tirent derrière moi, GG. Bon, on n'arrive pas à se comprendre là, c'est compliqué. Là normalement tu la touches pas celle-là. Ok, nice. Belle passe. Beau tir. Ça s'est passé, hein. Et je voulais la mettre plus à gauche mais c'était un peu compliqué là. Ok. Oh dommage. Tu l'as? Non. T'as pu... Ok, c'est pas dedans. Bon, c'était au cas où il se ratait celui-là. Ok. Premier là-dessus.
Chier. Ici. Ok, mon frérot. Ça, c'est pour moi. Nice. Bien vu. C'est étonnamment. Enfin, c'est étonnant. Les gens, ils sont plutôt cool. Malgré le petit problème de pseudo. Qui, pour le coup, moi, je peux pas y faire grand chose. Et oui. Ça, c'est de la save, mon copain. Tout. Dans le no émotion. Allez. Ça, c'est de la passe, mon gars. Oups. Un masterclass. Je suis en masterclass. Oh. Là, je peux pas aller chercher le boost. Oh. Oh non. T'en vrai voir ça, c'est terrible. Mais c'est pas grave, on est en full shield là. Il t'a soulevé, putain. Je sais pas, je sais pas s'ils se connaissent, mais les mecs, ils sont méga cool. C'est quoi cette dinguerie? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, si ça vous arrive aussi, mais là, c'est... C'est pas normal, on est d'accord. Hein. Pas normal que les mecs soient aussi cool sur Rocket, ça n'existe pas. C'est l'algorithme parce que je fais une vidéo en fait. Pas possible. Je vais faire une passe. Ah. Ça a tapé le poteau. Ouais, le problème de boost là, ça hesse. Ok, bon, on a un but d'avance donc on est bien. Ok, hop là. Merde. Beau tir. Ah bah j'ai ouvert le but mon frérot. Hein. Mes frères ils m'abument. Hein. J'ai 5 passes D. Hein. Genre vraiment sur tous les buts. C'est moi frère. Ah ça a tapé le plafond en vrai c'est dommage. Non, j'ai... Franchement, c'était sympa la game. Et c'est parti pour la troisième gamme. Pour l'instant, full win. Assez décisif, hein, quand même. Enfin, assez conséquent, les wins. Hop. Mais les mecs, ils étaient trop, trop cool. C'est fou, hein. Franchement. Tout ça à cause du pseudo, hein. Comme quoi, les pseudos, ça fait beaucoup, hein. Et je l'ai gêné le deuxième, je sais pas si ça suffit. Ok, nice. Hop, vision de jeu, bam, on gêne le prochain. Là, il avait son tir. Hop. Bon, ça s'est quand même bien passé, finalement. Ouh. C'était close, hein, quand même. Je sais pas si en temps, j'ai mis un petit peu la musique du jeu. Comme ça, au moins, dans les vidéos, ce sera plus cool. Que si je coupe et je remets de la musique à chaque fois et tout, ça va être bizarre. Bon. Comment dire? J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. En vrai, je m'attendais pas à ça, j'avoue. Mais c'est pas grave. C'est que le début, on chill. Non.
Ça rentre pas ça. Non mais... que ça rentre quand même, c'est grave. Bon, on va dire que ça a été réalisé rapidement et que ça l'a surpris. Ça n'aurait pas dû, mais... ça le fait quand même. Bon, hop, on va pas chercher de boost ici. On va chill. Bon, vite fait chill. Il faut un peu n'importe quoi et c'est ce qui prouve que j'ai du mal aussi à défendre là. Oh. Mon wave dash était plus disponible. Je me permets. Salut chef. Ils attendent beaucoup hein. Ah ouais, faut que je joue plus lentement je trouve. Et, bah ouais mais non mais... Si je joue lentement ça va le faire. Hop, il a rendu la balle. Bon, ça les fait un peu chier, la touche était nulle. Pas très grave. Hop, petite bombe. Dommage. Hop, bon, je suis en marche arrière, c'est un peu chiant. Si j'étais pas en marche arrière, ça aurait été tellement bien. Dommage, dommage. Ok. Ok, tu peux la centrer, non? Ah, il a pas vu. C'est vraiment dommage. Wesh, mon ref. Non, calme-toi, calme-toi. Renvoie pas la balle comme ça directement. C'est pas fou. Ok, je vais la mettre sur le backboard. Bon, j'ai pas trop le choix. Il arrivait vachement vite pour défendre, c'est bien joué. Oh sérieux. Ça m'a dévié, j'ai pas pu ramasser le boost, j'ai trop le seum. Ok. Bon. Pourquoi pas. Et oui, bon j'ai un peu forcé, d'accord, mais tant qu'elle est dedans c'est le plus important, non? N'importe quoi ce que je fais, c'est complètement n'importe quoi. Ok, on a deux buts d'avance là, c'est vraiment pas mal. J'ai récupéré du boost, on va pouvoir pas y aller ici, hein. Ici on y va pas du tout. Ah, il a bien joué. Non, il a pas réussi à contrer ça. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire là? Je sais pas trop. En vrai, c'était compliqué pour moi. Je pense que j'avais un peu fait ce que j'avais à faire. Mais galère. Oh là là. Quelle erreur d'aller chercher du boost ici. Quelle erreur. Tant mieux. On reprend notre avance. Il y a pas de game qu'on perd ici. Hein. Ici c'est no lose challenge. Ah bah voilà, ça c'est les vrais Rocket League que je reconnais ça. Ah. Et fin de chat please. Non mais c'est très grave. Ah. Bah GG. Bon, on en fait une petite. On en fait une petite. Petite dernière parce que bon. Le FF était pas très joli ici. Il y a trop bien la musique. Il y a zéro de ping le frérot. Ah non c'est... Ok ok. Bon c'est reparti. On est avec qui là? C'est qui? T3. On est avec T3. Ah c'est but. Ok my bad. Après il a bien joué le mec en face. Je crois qu'il a reset. J'ai pas bien vu mais... Ok, push. Wow. Oui, il rigole pas, mais là il manque un défenseur là pour le coup. J'avais gagné assez de temps, je suppose.
Et il y a une bonne balle. Ok, dommage. Ça rentre jamais ça. Ok, c'est open. Nice. Mon aérienne a été clean là. Je sais pas si vous avez vu. J'ai réussi à bien taper la balle rapidement et à continuer à la suivre pour aller choper un contre. Et sans le contre, il n'y a pas de but. Hein. Y a vraiment, il n'y a pas de but là. Il était trop important ce contre. Je vais me mettre en dessous pour garder une pression. Au cas où il se rate ou quoi. Hop, lui on le gêne. Pour mon aïe. Et c'est but. Bon, c'est assez bizarre pourquoi il y a but, mais c'est but. Je n'en demande pas plus. Mais non, mais c'est pas pour lui que j'ai dit beau tir. Hein. Ah. Ouais, un peu osé. Pas pu y aller en marche arrière, mais. Ah. C'est compliqué. Qui s'en sort. Oh, je voulais pinch au sol, mais c'était galère en vrai. Voilà, galère. Non. Oh, je pensais que c'était dedans. Faut que je change ma touche de tableau des scores. C'est, je suis en rond. J'appuie dessus sans faire exprès en fait. Faut que je mette carré, je pense. Ah, raté. Je me suis retourné comme un débile et. Il m'a bien fait là. Hein. Mais il va falloir comme un bleu. Un bleu. Du bleu. Ok. Bon, ça revient même. Que ce soit moi ou lui, le mec sur le mur était trop en retard. Et il y avait but à tous les coups là. Ah, mais il a 112 de ping. Ça aide pas beaucoup, j'avoue. J'avoue que ça aide pas beaucoup. Bah laisse-moi reset bro. Bon, on va back. C'est peut-être pas une bonne idée mais on va le faire. Je reviens sur mon collègue. No problemo. C'est facilito. Ok, ça lui met une balle non? Y'a pas de boost peut-être. Normalement j'ai le temps d'en prendre, sans problème. Ok. On va chill, garder un max de boost. Défendre tranquillement. Ah j'ai. Je me suis trop avancé. J'ai trop mal décollé là. C'était vraiment de la merde. C'est chiant parce qu'il récupère tellement des balles faciles, ça me dégoûte un peu. Mais ça va, on s'en sort. Ok. Je vais le laisser faire ce qu'il veut. Pas de problème là-dessus. Il est trop loin pour la contrer. Dommage. Je suis allé bien vite pourtant. Il a quand même réussi à contrer. Le boost va respawn. Je vais pouvoir shoot au cas où. Pas besoin. Le contre était pas fou là que je viens de prendre. Il était vraiment pas dingue en fait. Oh. Bah mon frérot. On va pouvoir shoot ça. Tout va bien, j'ai perdu juste 32 boosts. Et 30 c'est 2-3 pas de. Ça va très très vite à se refaire. Donc il n'y a aucun danger là-dessus. Voilà galère. Là ici son problème c'est qu'il s'est trop avancé, il a pas pu dégager la balle correctement.
S'il s'était arrêté au dernier poteau là, au premier poteau, il y avait... Waouh, j'ai jamais vu ça. Elle est rentrée directement, genre. Bon. Bénis. Merci. Merci. Vas-y. Très important de pas voler le boost ici. Pour ça. Mais ce... Et c'est ici que ça se termine, oui. Et c'est un full win de la part du joueur français. Gros GG. Bon, même si j'étais quand même vachement concentré dans les games. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas. Marque de pouce bleu. On me dit ce qu'on pense, etc. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.